Cyril, t'es mort. T'es mort parce que quand on arrive sur Paname, je te donne 10 jours, mais j'ai déjà envoyé deux coups de fil au Daguestan, en Tchétchénie. Il y a deux poids lourds qui arrivent, qui ont des bras aussi longs que Francis, aussi longs que John Jones. Tu vas manger la lutte. On va faire que ça. On va respirer la lutte. On va boire la lutte. On va tellement lutter, tu ne pourras pas t'asseoir. Tu en auras marre pendant 3 mois. Tu ne pourras plus respirer. On a accéléré. On a fait tout ce qu'il fallait. On est arrivé sur le toit du monde. Il a fait la ceinture. On échoue sur la ceinture. On se remet en question. On dit, OK, on a le temps maintenant. Là, c'est bon, on y est. À partir de maintenant, on peut s'asseoir pour complètement développer la force qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de développer depuis et qu'on vient de commencer sur un cycle d'entraînement il y a 6 mois. On a le temps de se poser et d'aller chercher le niveau ceinture noire de sol. On a le temps de se dire, à partir de maintenant, on va condenser en 6 mois les connaissances d'un black belt dans ton cerveau.